still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas. Les pays bateaux, ici Spoken Blue, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte, les amis. Petite découverte de Minecraft Dungeons, les amis. Et oui, ça fait longtemps que je voulais faire la découverte, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, les amis. J'espère que ça vous plaira. Donc, le jeu il coûte 20 euros, je crois, le moins cher c'est 20 euros. Voilà, donc vous voyez 20 euros le premier pack, les amis. Après, vous avez le pack à 30 euros pour avoir des petits trucs en plus, des skins, des machins, des DLC. Il y a le Season Pass aussi à 10 euros, donc pour avoir toutes les futures mises à jour, en gros. Et il y a déjà un premier DLC, Jungle Awakeness. Et le jeu est sorti au mois de mai de cette année, si je me trompe pas. Normalement, je me trompe pas. Je sais pas si le dialogue est en français, mais je crois que si. Hein. Ok. Oh, ça commence. Il était une fois une grande aventure dangereuse. Wow. Abandonné par sa famille, un villageois bat la campagne en quête d'un abri. Mais il ne trouve que de la haine. Animé par la rage contre ceux qui l'ont trompé, il poursuit son errance, sans but précis. Jusqu'à ce qu'enfin, il trouve quelque chose qui changera sa vie pour toujours. L'orbe de domination. Corrompu par le mal, animé par la vengeance, absolument rien ne résiste à l'archi-la-joie. Et toute résistance se révélera futile. Les Illageois déferlent sur la campagne. Qui aura le courage? Qui aura la hardiesse de se dresser devant le régime de terreur de l'archi-la-joie? Non. Non, pas lui. Ce sera moi. Mais peut-être... vous. Nice. Putain, la petite cinématique en français, là. Pas mal, hein. Je m'attendais pas à ça. Alors, on peut prendre des petits skins personnalisés, du coup. Oh, un petit skin violet. Ils ont pensé à moi. Est-ce qu'il y a des barbus? Il y a pas un barbu violet? Ok, ça c'est celui du DLC, du coup. Alors lui, il est pas mal. Mais il est pas violet, quoi. On va être obligé de prendre celui-là. Hein. Y a pas de barbu à part lui, mais il est rouge. Je suis pas roux, moi. Je suis roux, moi. Ah, on prend le violet, on prend le violet. Direct. Alors, on peut jouer à la manette, les amis. D'ailleurs, est-ce que je jouerai pas à la manette? Ouais, non, on va essayer comme ça déjà. Donc, je suis niveau 1. Partie hors ligne, changer, commencer.
On peut jouer en ligne ou hors ligne, ok. It's good. Côte de la pieuvre. C'est parti. Putain, c'est plus cool que ce que je pensais. Le village est en flammes. C'est sans aucun doute l'œuvre du terrible archi la joie et de ses sbires. Il déferle sur la campagne tel un fléau, en asservissant ou détruisant tout devant eux. L'heure est venue pour vous d'être un héros. Tu fais ça, toi, Starter ? Les villageois comptent sur vous. Ouah, ça a l'air beau. Donc les amis, vous me direz en commentaire si vous voulez la suite. Si vous voulez plusieurs vidéos, je vous ferai d'autres vidéos. Et même si vous voulez jouer avec moi ou quoi, trouvez l'objectif. Suivez le marqueur d'orientation pour atteindre l'objectif en cours. Ok, c'est le petit petite bille jaune. Oh, le bruit, c'est trop stylé. Je peux aller dans la maison? Non. Je peux faire une petite roulade. Zombie! Combattre les envahisseurs. Un appel aux héros. Waouh, c'est trop stylé par contre. Par contre, je les découpe. Là, je pense que c'est un genre de petit tutoriel. Oh, je peux pas prendre ça? Pas de flèche. Ça va le son, les amis? C'est pas trop fort? On peut aller là, y'a rien. Attends, ma roulade. Ah ouais, ma roulade, c'est ça. Donc, vous voyez, ça se recharge et après, je peux la réutiliser. Des flèches. Utilisez votre arc tiré sur le squelette. Les flèches sont limitées. Ne les gaspillez pas. Ok, j'en ai 40. Ça va. On l'a soulevé le squelette. Ah, je brûle. Oh, le con. J'ai failli mourir. Et j'ai une potion. Ah, j'ai une carte. Secret découvert. Oh, il y a des secrets et tout. Coffre. Il y a des coffres et des secrets. Ok, ce qui est en vert, c'est ce qu'on a vu. Ah, là, il y avait un truc qu'on n'a pas vu. Attendez, je suis trop curieux. Ah! On peut avoir une map comme ça. Putain, c'est trop nice. Je pense qu'on peut pas traverser, c'est une île volante ou une île dans l'eau. Je pense. Ouais, si tu trouves, Sophie, sinon te prends pas la tête. Hein. Ah ouais, c'est là-bas en fait. Ouais, je peux pas y aller. Je ne peux point y aller. Là, c'est où j'ai commencé. Le petit bateau, regardez, trop stylé. C'est trop Minecraftien quoi. Trop stylé. Je pensais pas que ce serait aussi nice que ça, putain. Je suis surpris. Et là j'ai ma vie avec le gros cœur. Ça me rappelle plein de jeux et tout, c'est cool je trouve. On a les petites potions là aussi. J'en ai qu'une, je crois, on va pas la prendre. Ah ouais, je peux faire inventaire aussi, regardez l'inventaire. Trop bien fait. Avec mon perso en 3D. On peut voir les armes que j'ai d'équiper, mon niveau. Ça sera pour plus tard. Et là, mon stuff, j'ai rien du tout. Et donc, il y a des petites monnaies, des gemmes vertes, apparemment. Et des petits signes démoniaques, violets, je sais pas ce que c'est. On verra ça plus tard. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien. On va aller là-bas, du coup. Oh, squelette! Hop, ça dégage. Ça dégage. Squelette, ça dégage. Par contre, comment je fais pour avoir des flèches du coup? Ah, ah non, okay. Je pense que, je sais pas s'il y a du craft. Si on peut pas se crafter après des flèches et tout. Pouah. Oh, j'ai une flèche dans la tête. What? J'ai une flèche en plein dans la... Ah, c'est bon. En plein dans la tête quoi.
entre les deux yeux. Oh, un corps. Des flèches, du pain. Régénération. Ah, ça me régène ma vie. Ok. Illimité parce que je crois que ça avait un petit peu lag. J'ai plus mon bœuf. Petite statue. Merde, je tirais dans le mur. Gagne niveau. Point d'enchantement gagné. Ah, c'est des points d'enchantement, les petits trucs violets. Chacun niveau vous octroie un point d'enchantement utilisé pour améliorer des objets. Ah. Alors, enchanter l'équipement. Sélectionnez un objet de votre équipement que vous voulez enchanter. L'arc ou l'épée. L'arc. Donc on voit que c'est un commun, il y a un niveau de rareté, ça c'est nice. Dégâts à distance 10 à 25. Oh, il y a des méchants là. Wow, wow. Attends frère, je suis en train de faire le tuto là. Calmos. Vous me goumez. Enchantement. Tir bonus, repoussoir. Ah d'accord, donc là je dois choisir un des trois. Niveau d'amélioration, 1. Ok, tir bonus, tir flamboyant, repoussoir, booste le renvoi de flèches, à une charge de 50% de créer une zone circulaire qui soigne tous les alliés qui s'y trouvent, le tir déclenche un second tir vers un ennemi proche. Ah, ça c'est pas mal. Je pense qu'on va prendre ça. Et après il me faut 2 points si je veux, il y a 3 paliers en gros. Ok, nice, c'est simple. J'aime bien quand c'est simple. Allons-y. On est où là? On est là. Okay. Oh! Flèche pyrotechnique. Pyro barbare. Cliquez avec le bouton droit sur les flèches pyrotechniques dans la catégorie artefacts pour les équiper. C'est quoi celle-là? Ah ok. Donc là ça l'a mis ici. Et je l'ai en raccourci 1. Maintenant que l'artefact est équipé, vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Attends, mais ça fait quoi? J'ai pas lu. Place une flèche pyrotechnique dans votre carquois. La flèche explose en atteignant sa cible. 42, 30 secondes de temps de recharge. Ah, donc je peux le spam. Enfin c'est comme un sort en gros. Attends. Pas un petit ennemi là, ah. On doit appuyer là-dessus. Nice. Tirer sur l'ennemi. Là, ça va utiliser quoi du coup? Ma flèche. Ah oui. Et là, vous voyez, j'ai un temps de recharge, donc je peux le. C'est un peu comme un sort en gros. Ah, c'est nice. Mais là, regardez, il y a un coffre, mais je peux pas l'ouvrir. Ah, avec la roulade. Oh merde. Ça veut dire que j'aurais pu faire ça au début. Je suis sûr qu'il y avait des trucs. Oh, c'est sûr qu'il y avait des trucs au début, les amis. On pouvait y aller en fait sur l'île. Fallait juste que je fasse une roulade. Je suis sûr que c'est un mini truc caché du début pour t'aider dès le début en gros. Ah, je peux pas reculer, non. Secret découvert 0 sur 2. Ben ouais, frère, c'était sûr. Non, je suis dégoûté. Je voulais découvrir le secret, moi. Ah là. Ah, je peux aller dans l'eau aussi. Putain, mais c'est trop nice.
Ah, ça, je peux pas le récolter d'ailleurs? Non. Ah, c'était sûr qu'il y avait quelque chose. Mes amis! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attends. Y'a pas un truc là? Vous n'avez pas pu sauver les villageois, mais gardez espoir. Il existera toujours des populations attendant l'arrivée d'un héros. J'ai pas tout exploré! Moulin, moulin! J'ai pas tout exploré, j'ai dégoûté. Yop, Lord, bienvenue à toi, poteau. Désolé, j'avais pas vu ton pseudo, vu qu'il est rouge aussi. Bienvenue à toi, poteau. Donc là, on a terminé le premier niveau, en gros. On est passé niveau 2. Là, on peut avoir un petit résumé, genre les dégâts qu'on a fait, tout ça, tout ça. Et on a des coffres. Ouvrir. Wow, c'est trop beau, trop bien fait. Ah, une canne à pêche. Fidèle compagnon de toute véritable aventurière, la canne à pêche peut être utilisée pour autre chose que la pêche. C'est une arme. Elle est rare en plus. C'est pas commun, regardez, c'est rare. Ah ouais. Attends, je suis là moi. Côte de la pieuvre. Non, ça c'est ce que je viens de faire. Ouais. Et là, il y a le deuxième niveau qui est débloqué du coup. Ok. Voyager vers royaume... Waouh, putain, mais il y a trop de trucs. Nouveau, une mission. Bois des creepers, c'est là où on doit se rendre. Ok. Alors attends, et du coup ici, c'est quoi? C'est un genre de hub, je suppose. On peut tester nos armes. Pas de map. Oh, il y a des petits moutons là. Attendez, je visite. Le pont-levis. Oh, c'est trop stylé, franchement. Pour l'instant. Donc là, c'est pour sélectionner la mission. Ah, bah en gros, c'est la map qu'on vient de faire. En gros, on a nettoyé la zone, quoi. Ouais, c'est ça. Amis, donc là on peut ajouter nos amis. Parce qu'on peut jouer à plusieurs les amis, hein. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment nice. Mission suivante, butin d'équipement, artefact. Puissance recommandée. Ah vous voyez, regardez, on a aussi un truc de puissance. Là j'ai 1 de puissance. Et ça me dit que pour ce niveau faut 1 de puissance en niveau recommandé. Donc c'est nice. C'est parfait. Le bois des creepers. Ouais, il va y avoir des creepers, ils explosent et tout. Je trouve ça trop cool moi de retrouver tout l'univers de Minecraft dans un autre jeu totalement. Tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'Empire Illageois. Quelque part dans les bois. Une caravane transporte les prisonniers villageois pour les faire travailler. Trouvez la caravane et stoppez les villageois, ou nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler. Mais c'est trop stylé en plus en français, quoi. Non mais les amis, mais là je suis vraiment mais choqué de chez choqué, hein, vraiment. Vous entendez les zombies? Mais ça fait peur. Ah, vous avez vu ma double flèche? Ah, c'est trop bien. Ça c'est quoi? Potion d'ombre. Je suis invisible. Ah, un zombie avec une armure. Un casque en fer, du coup il a plus de vie. Ah, c'est trop nice. C'est vraiment comme dans Minecraft, quoi. Je veux un morceau de porc, ça me redonne de la vie. De la régène. Oula, oula. Je suis trop fort, les frères. Oh, je peux sauter. J'ai sauté. Je savais pas qu'on pouvait descendre comme ça d'un coup. Regardez. Par contre, tu peux monter que sur un cube.
peut-être qu'on pourra plus après. Hop là. Oh, c'est trop stylé. Attendez, est-ce qu'il restait pas un zombie par là? Si. Ah, attendez. Ok, non, il n'y a rien. Faut bien regarder parce que vous voyez, secret découvert. En fait, dans chaque niveau, tu as des secrets à découvrir et des coffres à trouver. Là, c'est au lieu de 2, là, c'est 3. Et ça, je trouve ça vraiment nice. On a des flèches. On a 106 flèches. On est parfaitement bien. Et ça aussi, c'est cool que ce soit pas illimité, je trouve. Allez, ça dégage. Ça dégage. Oh, c'est un archer, ça. Aïe. Malheureux! Oh, j'ai trop bien fait d'améliorer mon arc. Regardez, ils peuvent rien faire. Je suis trop puissant. C'est quoi ça? Vous avez ramassé armure du loup? Pardon? Oh, y'a un villageois là. Nouvel objectif. On l'a sauvé le frérot. 1 sur 3. Attendez, est-ce qu'il y aurait pas un truc ici? Ça a l'air grand ici. Je peux aller dans l'eau? Oh, t'es regardé, on peut même aller dans l'eau quoi. Oh merde, j'ai pas pied là. Est-ce qu'on peut se noyer? J'en sais rien. Oh, c'est quoi ça? Ah nice. Ah ouais, il est trop bien mon arc. Et c'est quoi que je voulais regarder? Ah oui, armure du loup. Elle est équipée là ou pas? Oh, mais pardon. Regardez, je l'ai mis sur moi. Oh putain, mais c'est trop stylé. Et puis ça, du coup, attendez, c'était quoi? Attire vers vous la créature la plus proche, ce qui l'étourdit un bref instant. Ah, je peux la mettre là en sort. C'est pas une arme comme mon arc. Hein? On va essayer sur un ennemi pour voir. Lui. Oh mais c'est super dur à viser. Ah ouais, ok. Et attends, mon armure elle me donne quoi du coup? Plus 1 de santé, aura de boost des dégâts d'armes de 20%, des potions de soins soignent les alliés à proximité. Oh ouais, c'est trop nice. Et même l'armure je peux l'améliorer aussi du coup. Ah ouais, tu... Ah non, on peut pas tout améliorer. On peut améliorer les armes, les équipements du coup. C'est trop nice. Et là il y a un petit chemin à droite et un chemin à gauche. Je sais pas où aller, on va déjà aller à gauche. Faut bien qu'on regarde pour trouver les secrets. S'il y a des trucs que je rate, vous me dites hein. C'est un gros. Des gemmes. Ok, on a un petit bonus de force. Faut en profiter. Alors on est là, là il y a un petit cul-de-sac. Un petit truc caché par là. Un petit chemin encore là. Et
Et après c'est un cul-de-sac. Donc on a bien fait de venir là. C'est quoi ça? Oh! On a trouvé un secret? Oui, on a trouvé un secret! Il nous en restait un à découvrir. Et je peux aller là-dedans. Attendez, on va pas y aller tout de suite, alors on va aller voir là-bas. Parce que si ça m'emmène autre part, après que je peux plus revenir, ça craint. Là, je saute. Aïe, je me suis fait mal. Ok, donc là, on a tout regardé. Et là-bas, je sais pas si je suis allé à la gauche, là. Ici. Oh! Une nouvelle épée et plein d'argent. Épée commune. Ah mais c'est la même. Ok, du coup recycler, ça va faire quoi? Ah, ça nous donne des petites gemmes. Bon, on va la recycler, hein. C'est la même qu'on a. Et du coup là dans la map, coffre ouvert. Ah non, ça, ah, c'était pas le même coffre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des coffres en plus des coffres de base. Ah ouais. C'est vraiment trop génial. Donc là on va aller en haut à droite. Putain, c'est encore grand hein. Je sais pas si la porte, j'aurais pu aller dedans et revenir après ou pas en fait. Donc comme on sait pas pour l'instant, on va déjà aller vérifier ici ce qu'il y a. Et s'il y a rien, ben on ira dans la porte. On va prendre une potion. Attends, c'est moi ou j'ai eu... Comment j'ai fait pour me booster ma vitesse là? J'ai réussi à booster ma vitesse. Comment j'ai fait? Bizarre. C'est peut-être quand j'ai ramassé un truc. J'ai pas fait gaffe. Oh, il est trop bien le jeu. Franchement, je pensais pas qu'il était aussi bien que ça. Hop, le creeper, ça dégage. Oh putain. Oh ouais. Ok, en bas c'est fermé. On va déjà aller explorer en bas du coup. Oh, merde, j'ai sauté. Comment je fais? Oh non, me dis pas que je suis coincé. Ah non? Non, ok. J'ai eu peur là. Y'a rien d'autre? Ok, y'a rien d'autre. On va aller voir à gauche du coup. Voilà, ici. Là, y'a un petit chemin, y'a rien. Putain, mon arc il est trop bien. Là ça remonte en tout cas. Attention à moi. Parce que là il y a du monde hein. Il me reste 38 flèches. Je vais essayer de les économiser un peu parce que là, si on n'en retrouve pas, ça craint pour nous. Ici, il n'y a rien. On aurait dû aller dans la porte en bas. Oh, oh merde, une vache. Ah bah, ok. Ça m'a donné un bonus. Il y a des moutons. Thank you.
Oh, une TNT. Oh merde, c'est quoi? C'est quoi? Ah, si je fais clic droit au lieu de l'arc, c'est ça? Ça va l'acheter peut-être? Je sais pas. Peut-être pour ouvrir une porte? Ah merde! Ah, c'était pour ici! Wouah! Je les ai déglingues! Aïe! Alors attendez, on est là? Il y avait rien ici? Non. Et là, ça ramène ici, ok. Dans le mouton! Laisse-moi passer! Ah, j'aurais dû aller dans la petite porte, à mon avis. Hein. C'était peut-être un secret. Wow. Ouais, à mon avis, il fallait que j'y aille à l'avant, les amis. Hein. Parce que là, ça continue, donc on va retourner en bas dans la porte, du coup. Je pense que c'était un petit truc en plus, si tu le vois pas, c'est pas très grave. Un genre de petit donjon. Ouais, c'était là-bas. Ah merde. Je peux passer par là? Oh, putain, je crois que j'allais tomber dans le trou en bas. Ok, nice. Là, c'est cool que ce soit sur plusieurs niveaux et tout. Donc là, faut que je redescende là. J'ai fait autant de route que ça. C'était sûr qu'il fallait aller là-bas en fait. Putain, je pensais pas que j'avais fait autant de chemin. Vous avez vu ce truc de ouf? T'as l'impression que c'est tout petit en fait. Non, c'est pas tout petit hein. Pas du tout même. Avec ma petite armure de loup là. Beau gosse. Oula moula, beau gosse. Là on monte là et c'est tout droit. Parfait. Qu'est-ce que c'est que cette petite grotte? Ah c'est ça, c'est un donjon. Attends mais il est aussi gros que ça. On a découvert les trois secrets. Ça c'est quoi ça? Nouvel emplacement. Merde. Wow, 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 wow. Oh oui, un coffre. Oh, une hache. Oh, tout ce qu'on a eu. Attends, putain, je peux pas mettre pause. Une hache, dégâts 13 à 20. Et moi, 10 à 16. Ok, bah je vais mettre la hache. Oh, trop bien fait. Et on a eu plein de flèches. 138, trop cool. Ah ouais. Oh, elle est trop bien la hache. Ok, ça va, ça va. Ok, là c'est des cul-de-sac. On va regarder s'il n'y a pas de coffre. Par contre, un nouvel emplacement de quoi j'ai eu? J'ai pas trop compris ça. T'as un point. Ouais, ouais. J'ai vu ça, mon petit fighter. Vous voulez quoi qu'on l'utilise tout de suite? Je pourrais améliorer mon armure à la limite. Vous gagnez plus de 1% en vitesse de mouvement pendant une courte période en activant un artefact. Être touché par des projectiles inflige des dégâts
suffira parfois un petit carquois de flèche. Ah ouais, ça, ça t'offre des flèches. Je pense qu'on va faire ça. On va prendre ça, les amis. Ce qui fait que si on est touché par une flèche, eh ben ça a une chance de nous faire tomber un petit paquet de flèches par terre. On va prendre ça. Attendez, je baisse à peine le son, les amis, parce que je sais pas si c'est fort pour vous. Mais pour moi, c'est assez fort. Hein. On va mettre à 8. Ouais, c'est mieux. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ok, on pourra ressortir quand on veut du truc, ça c'est cool. Oh, il y a un levier là. Il sert à rien. Là, faut que je fasse gaffe si je peux tomber. Ils peuvent rien faire. Ah mais là vous voyez, je sais pas si... Est-ce que si je vais là... Ah, faut déjà finir le donjon, regardez. Là-bas c'est une boucle. À mon avis c'est pour en ressortir, donc heureusement que je suis pas allé tout de suite. Oh, il y a un coffre. Je les ai soulevés. Oh wow. On a eu plein de trucs. Oh, la TNT. Ça va péter. Dommage. Oh, ça va, on les a tous. Là, il n'y a rien d'autre. Non, rien d'autre. Là on peut sortir du coup. Alors est-ce qu'on va ressortir là où on est entré? Ou ça va nous emmener ailleurs? On est où là? Ah, ça nous ramène ici directement. Ok, bah nickel. C'est parfait les amis. Et bah du coup vous voyez, on a bien fait d'y aller. Ah hein, oh, j'ai eu un meilleur arc que le mien. 12 à 29, 10 à 25. Ah ouais, par contre le mien je l'ai amélioré, du coup ça fait chier quoi. Celui-là on va le recycler. Je peux pas l'enlever ça? Non. On va le mettre celui-là quand même parce que c'est... On est plus fort avec celui-là. Et on l'augmentera dès qu'on pourra. Ok, donc ça faut faire attention de pas trop... Parce qu'on a eu un point à chaque fois qu'on est monté de niveau, c'est pas beaucoup. Donc je pense qu'il faudra enchanter vraiment les bonnes armes ou les trucs que t'es sûr de garder à un moment quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va remonter tout en haut là où on en était du coup. Où il y avait tous les squelettes et tout. Putain, franchement c'est vraiment nice hein. Je pensais pas que c'était aussi bien que ça. On va passer par le petit pont. Tellement stylé. Se remettre à fond. Hop. Épée rare. Nice. Ici il y a une porte. On va aller là. On va aller voir. Oh, provision. Oh nice. Ah bon, on a bien fait de venir. C'est juste pour ça. Ouais. Ah non, puis ça. Nice.
On est riche. Ah bah nickel, on a bien fait d'y aller. Oula. Attendez, je suis pas allé voir là-bas, à gauche. Au cas où. Ah, des fois on dirait qu'il y a des passages secrets. Hein? Ah non, je peux pas y aller. Ok. Oh, il y a plein d'argent ici. Oh, il y a un cochon avec un coffre. Donne-moi ça. Ok, j'ai une TNT. Merde. Il y en a plus que deux. Je vais la garder, on va pas la gaspiller. Là-bas, je suis avalé, non. Y a rien. Vous avez vu, il y avait un coffre sur le cochon. Quel bail. Les villageois. J'arrive. Wow. Merde. Non. Oh non. J'ai raté ce que je voulais. Bon, j'en ai tué quand même, mais j'ai raté ce que je voulais faire. C'est quoi ça? On peut rien faire là-dessus. Non. Et vous voyez sur la map, il y a des petits points jaunes là. Je sais pas c'est quoi, on va aller là-bas. Voir ce qu'il y a. Ah, c'est une quête. Ouais, c'est ça. Wow. Y'a le sorcier là. Je t'ai vu. Hein. Pas la peine de te cacher, frère. Wow. Là-bas. Hop. Ici, y a rien. Oh. Vous avez vu les fleurs, elles se sont... Elles rentrent quand je passe. Il y en a un là-haut. Ah ouais, il est en haut. J'arrive, frérot! Attends deux secondes, hein. Wouah! Mais t'es vénère, frère! Je t'ai rien fait! Oh, y'a un coffre là! Dégage! Comment j'ai fait pour actionner ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi ça a fait ça, les amis là? Il nous reste un coffre à trouver. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un deuxième? À mon avis, c'est pour ouvrir ça. Si, il faut que j'en trouve un autre.
Non? Ah non. Ça me paraît bizarre quand même, cette histoire. Je suis sûr qu'il y avait un secret ou un truc là avec ça, c'est sûr. Oh, je vais trop vite là. J'ai eu un bonus. Oh, j'ai eu quoi, une hache? Vous avez ramassé une hache? Une hache verte, encore mieux que la mienne. Nice. Aïe. Salope. Un arc. Ça loot sec, ça loot sec. Hop. On va aller voir là-bas. Ah, on va déjà explorer là-bas alors. Parce qu'après on doit remonter en haut. Là, je peux rien faire là. Non. Je n'en laisserai pas un en vie. Calmez-vous. Oh, c'est trop beau. Là, il y a deux chemins. On va déjà aller à droite. Un coffre. Oh, une armure de chasseur. Oh non, je l'aimais bien, une petite armure de loup. J'ai un bonus, tant pis. Armure de chasseur. Trop belle, regardez. Rapide que mon ombre, eh ouais. Hop, un peu de money. Putain, c'est trop beau la lave et tout là. Wow. Oh wow. Attendez, je sais ce qu'on va faire. Hop là. Voilà, je suis énervé. Des îles à joie, tout ça grâce à vous. Nice. Ouais, grâce à moi. Trop beau les petits fonds d'écran là, regardez. Joueur mort 0, dégâts reçus. Créature vaincue 98%. Petit coffre de récompense. Merci mon petit fighter. Calice de la mort. Calice de ses morts. Ingéré par les guerriers. Ah, c'est un champignon. Violet. Avant le combat, la calice de la mort met les combattants dans un état de frénésie. Ah, c'est pour être en mode... En mode vénère. Alright. Hein? C'est quoi ça? Oh, la petite maison. Regardez comme c'est trop beau. Oh. La chambre, il y a une armure et tout. On peut rien piquer ici. Oh les cochons!
c'est trop beau. Petit jardin. C'est ouf comme c'est Minecraft quoi. Même la musique elle est vraiment nice. Y'a rien ici. En plus c'est fluide et tout. Oh, un coffre forgeron. Vous avez trouvé un coffre contenant 50. Oh. Vas-y mon gars. Et ça du coup forgeron. Pièce d'équipement aléatoire. Obtenez une pièce d'équipement aléatoire correspondant à votre niveau. Je paye 80. Échanger, maintenir pour confirmer. Ah ouais, ok. On essaye, allez on essaye. Oh une hallebarde. Du coup on touche plus loin. Et en dégâts elle est mieux. 21 à 31. Oh ouais. Regardez mon petit perso avec sa petite lance là. Oh mais trop stylé. Alors attends, du coup je peux pas lui vendre Non. Peut-être que plus tard on va débloquer des vendeurs, des trucs comme ça. Pour l'instant je peux juste recycler, donc c'est ce qu'on va faire de toute façon. Mon arc là. Mon arc là. Armure. Ah attends, on a trouvé une meilleure armure. Vous voyez ? Armure commune, armure du loup, je veux dire, armure du loup, et pourtant celle-là elle est mieux. Vous voyez, celle-là plus 1 de santé, celle-là plus 14. Donc ça faut faire gaffe. Donc on va rééquiper celle-là du coup. Ça on recycle, ça on recycle. En fait, vous le voyez ici, vous voyez, quand il y a un petit triangle rouge, ça vous dit que c'est moins bien en fait si vous l'équipez. Et quand c'est vert, eh ben, c'est que c'est mieux. Ah, vu qu'on a recyclé l'arc où on avait un enchantement dessus, ça nous a rendu l'enchantement. Ah, bah du coup, c'est bon, du coup. Il n'y a pas besoin de faire attention. Ah, mais putain, c'est trop bien. C'est vraiment pas prise de tête, quoi. Donc ça, c'est cool. Ah, et ça, je peux l'équiper ici. Ça sort. Ok. Du coup, j'ai 3 points. Ah, right. Donne une petite chance de dévier des projectiles. Quand votre part de vie est complète, vos dégâts à distance et de mêlée sont augmentés. Là, on a quoi avec la... Nuage de poison. Une chance 30% de déclencher un nuage de poison qui affiche des dégâts aux ennemis dans une zone pendant 3 secondes. Ah. Mets le feu aux créatures pour 3 secondes, ce qui me fait des dégâts au fil du temps. Oh putain, je prends ça direct. Ah ouais, des dégâts de feu. Putain, trop stylé. Il y a plein de trucs différents, vous voyez. Accélération augmente la vitesse d'attaque de chaque attaque. Et l'autre augmente la puissance de dégâts des flèches. Je prends ça direct. Et du coup, c'est pas grave, parce que quand on va recycler notre arc, eh ben, on va récupérer le point qu'on a mis dedans. Du coup, bah, c'est OP. On va mettre ça, comme ça on pourra plus nous toucher à la fin. Parfait ça. Et bon, on va arrêter ici les amis pour cette petite vidéo découverte. J'espère que ça vous aura plu. Je vais refaire un petit épisode en plus, comme ça si vous le voulez je l'aurai déjà. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi franchement ça m'a grave plu. Si je devais mettre une petite note de ce que j'ai vu, j'ai pas testé le multijoueur, mais je mets la note de 9 sur 10. Franchement, j'ai rien à dire de négatif. Il n'y a que des bons trucs. L'inventaire, il est simple, il est beau. Je vois pas de points négatifs, franchement. Donc,
C'est limite 10 sur 10. En plus, en français, c'est même en VF. Donc, lourd. Je vous laisse, les amis. N'oubliez pas le petit like si c'est pas déjà fait, si ça vous a plu. De vous abonner si c'est pas déjà fait également. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Yeah.